L'Ancien Testament. Se nourrir de la parole. Éphraïm, viens, mon garçon, approche. Quand tu seras à Jérusalem, tu remettras cette missive au grand maître de l'école du temple. Il te dira quoi faire. Ne t'inquiète pas, cette écriture est parfaitement compréhensible. Va, cher Éphraïm, que Dieu te protège. Voici mon offrande, rabbin. Merci. Quel besoin as-tu donc d'aller à Jérusalem? Et il a fallu en plus que tu donnes de l'argent au rabbin. Tu n'es qu'un ingrat, parce que tu pars en abandonnant les chopes de ton père. Tais-toi donc, vieil homme. Tu passes ton temps à te plaindre. Ton petit-fils deviendra docteur de la loi et reviendra à Babylone instruire les ignorants de ton espèce. Tu es la fierté de la famille, mon fils. Va, suis ta voix. C'est tout ce qui compte. Je te donne ma bénédiction. Je prierai pour vous dans le temple, pour que les anges veillent sur notre foyer. Je ferai tout pour que tu sois toujours fier de ton fils. La grande Babylone se réveille à l'aube d'un nouveau jour. Les paysans et les marchands attendent devant les portes de la ville pour aller vendre leurs produits au marché. Mais d'autres, comme Éphraïm, la quittent pour une destination lointaine. Jérusalem est loin. C'est un long voyage. Mais la volonté de Dieu doit être exaucée. Thank you.
Regarde, il y a un homme qui bouge là-bas, derrière cette dune. Il nous a suivis toute la journée. Viens, on va lui demander ce qu'il veut. Tiens là, voilà notre homme. Hé, hey, toi! En voilà des manières. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu nous suis depuis ce matin. Maintenant, dis-nous pourquoi. Heureusement pour moi, vous n'allez pas très vite. Si je vous suis, c'est pour ne pas me perdre. Es-tu vraiment sûr que c'est la raison? Oui, je dois me rendre à Jérusalem. Je vais à l'école du temple pour y étudier. J'ai une lettre du rabbin de Babylone. Je vais vous la montrer. Non, non, c'est inutile. On voit bien que tu n'es pas un voleur. Et d'ailleurs, où est-ce que tu mettrais ton butin? Tu n'as même pas un âne pour t'accompagner. Si j'en avais un, c'est que je serais riche. Viens avec nous au camp, mon garçon. Ce sera plus confortable qu'ici. Hé, regardez là-bas! C'est Jérusalem, on est arrivé! Chaque jour, Jérusalem ouvre ses portes aux pèlerins, venus adorer Yahvé dans le temple, reconstruit par Hérode le Grand. Ils arrivent des quatre coins de la Palestine, qui a été soumise autrefois par les Romains, et d'autres pays où ils ont émigré. Éphraïm se trouve également dans la ville sainte. Je suis arrivé ici venant de Rome il y a environ 5 ans, et je dois dire que je m'y plais beaucoup. J'ai appris depuis à connaître parfaitement ce peuple. Nous avons soumis d'autres peuples, bien plus nombreux que ces Israéliens. Celui-là est particulier, et je ne lui connais pas d'équivalent dans le monde. Et d'ailleurs, Rome en a fait son ami. C'est pourquoi nous le respectons. Quel que soit l'endroit où ils sont, ils bâtissent des synagogues. Ils ont l'habitude de vivre regroupés dans des communautés au sein desquelles ils suivent les préceptes de leur Dieu et de sa loi. Tu comprends pourquoi je dis qu'ils sont particuliers? Mais alors, la loi de Rome? Ils la respectent, parce que leurs lois sont justes comme le sont aussi les nôtres. Partout, ils ont des synagogues. À Alexandrie, en Égypte, à Carthage, à Corinthe, à Babylone, en Sardaigne, à Délos, à Antioche. Et ils en ont même bâti une à Rome. Une synagogue à Rome, c'est incroyable! Leur histoire remonte à la nuit des temps. Elle est bien plus ancienne que celle de Rome. Ils obéissent tous à la volonté de leur Dieu Tout-Puissant, transcrite par leurs prophètes, des hommes qu'il a envoyés à travers les siècles afin de les guider. J'ai pu voir certains de leurs anciens manuscrits au marché d'Alexandrie en Égypte. Si à l'époque j'en avais acheté, penses-tu que j'aurais pu les revendre à Rome? Bien entendu. Pour les Juifs, ces manuscrits ont une valeur inestimable. Les Israéliens apprennent depuis leur enfance à en déchiffrer le sens, afin de mieux adorer leur Dieu à travers sa parole. Et chacune de leurs synagogues est une école. Malgré tout, le grand Pompée les a battus avec ses légions. Ils n'ont plus de terre à eux depuis qu'il a investi leur ville. Oui, mais au travers de chacune de leurs synagogues, leur nation continue d'exister. Parce que depuis leur plus tendre enfance, ils bâtissent leur foi autour de l'univers de leur Dieu. Tiens, regarde, tu vois là-bas ce bâtiment? Il abrite le Sanhédrin, le tribunal suprême du peuple juif. Il comprend 70 membres, les anciens, les représentants des grandes familles et tous ceux qui, au cours de leur vie, ont été grands prêtres. Tu vois cette file de jeunes gens? Ils se rendent à l'école du temple où ils vont étudier. Et qu'est-ce qu'ils étudient au juste? La parole de leur Dieu, qui a été transcrite par Moïse. Veuillez entrer. Dépêche-toi. Merci. D'où est-ce que tu viens, mon garçon? J'arrive de Babylone. J'ai une recommandation de mon rabbin. Eh bien, dans ce cas, entre donc. Vas-y. Maître, je suis très honoré. Ah oui, je vois. Le rabbin dit beaucoup de bien de toi et que tu sais même écrire et lire en grec. Ça te servira à rien ici, on utilise l'araméen. Alors je l'apprendrai, maître. Ta table de travail est la 3e sur la droite, celle qui est libre. Si tu veux, tu peux commencer tout de suite. Tenez, ceci est la contribution de mon père pour ma scolarité. As-tu de l'argent pour payer les autres frais? Non, maître, mais je travaillerai. Tu ne pourras pas travailler et étudier en même temps. J'y arriverai, maître, croyez-moi.
Alors prends ce rouleau et mets-toi immédiatement au travail. Il est écrit en araméen. Dis-moi quand tu seras prêt et ensuite tu expliqueras à tes compagnons ce qu'il dit exactement. Bien, maître, je vais faire tout mon possible. Je vais t'offrir l'hospitalité et demain matin, je t'emmènerai à l'école. Tiens, nous y voilà. Éphraïm, je te présente mon ami la chèvre. Je suis veuf et comme ça, tu me tiendras compagnie. Tu travailleras pour payer ta pension. Je ne suis pas exigeant, je me contenterai de ce que tu pourras me donner. Merci, ami. Sans toi, je ne sais pas où j'aurais trouvé à me loger. Maintenant, si tu veux bien, entrons. Dépêche-toi, tout le monde est déjà là. La miséricorde de Dieu est devenue loi dans les tables de Moïse. Zimri. Tous les 3 ans, la totalité du revenu des moissons des champs devra être donnée aux pauvres, car cela est écrit. Et tous les 7 ans, quand l'année de rémission est proclamée, chaque créancier abandonnera son droit à son frère débiteur, car cela aussi est écrit. Mais si, à l'approche de la 7e année, vous apprenez que votre frère a l'intention d'abuser de votre confiance en vous demandant un prêt avant la fin de cette période pour profiter des préceptes de la loi pour vous voler. Que ferez-vous alors dans ce cas? Peux-tu répondre, Daniel? Si je savais qu'il veuille me voler, moi je refuserais de lui prêter de l'argent. Le prêt doit être accordé à celui qui le demande, si... Eh bien, continue, Éphraïm. Si avant il renonce solennellement à son droit d'user de la loi de Moïse. Je te félicite, Éphraïm. C'est un grand maître, le docteur Hiel, qui a introduit cette exception à la tolérance afin que la miséricorde de Dieu ne soit pas trahie par ce qui est écrit dans la loi. Bonne réponse, Éphraïm. Pourquoi tous ces gens sont-ils rassemblés là? Vois-tu, ils attendent de connaître le verdict du tribunal. Mais ils doivent être plus d'une centaine. Ce sont des rebelles qui attaquent les caravanes dans le désert de Judée en tuant et pillant au nom de Dieu. Non, c'est faux. Ceux-là ont incité les Juifs à se soulever contre Hérode et les Romains. Sans doute savez-vous qu'Hérode a été proclamé roi de Judée par le Sénat de Rome, à l'encontre des vœux du peuple et des droits de succession dynastique. Voilà pourquoi ces hommes sont jugés. Est-ce que vous êtes certain de ce que vous affirmez? Bien sûr. J'ajouterai même que cette révolte contre Hérode et ses amis, les Sadducéens, est une manière aussi de se rebeller contre l'occupant romain. Tu ferais mieux de te taire si tu veux garder ta tête sur tes épaules. J'étais avec eux, mais moi, j'ai réussi à ne pas me laisser prendre. Il vaut mieux ne pas rester là. Venez. Au nom du roi Hérode le Grand, les rebelles ont été reconnus coupables d'avoir terni l'honneur de Sa Majesté et condamnés à être mis à mort par décapitation. Relâchez-les, bande de lâches! Ces hommes sont nos frères! Ils n'ont pas mérité de mourir! Ils appartiennent à notre peuple! Libérez-les! Laissez-les partir! Oui! Libérez nos frères! Hérode est un criminel!
À bas Hérode! À bas les Romains! À bas Hérode! À bas les Romains! À bas Hérode! Il y a quelque chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi notre peuple n'est-il pas capable de retrouver sa splendeur du temps de David et de Salomon ? La faute en revient à nous seuls, Éphraïm. Nous avons été battus par les peuples voisins et ensuite par les Romains. Ils ont détruit la ville de Jérusalem et son temple. Mais comme toujours avec nous, tout a été reconstruit. Et je me demande si l'alliance entre Moïse et le Tout-Puissant n'a pas été rompue. Sinon, pourquoi Dieu ne s'en souvient-il pas ? Fils, ce n'est pas parce que tu étudies la loi au temple que ça te donne le droit de sonder l'Esprit de Dieu. C'est un péché. Tu dois me donner une réponse, Siméon. J'en ai besoin. Dieu, pour nous punir, nous a livrés aux mains de nos ennemis. Mais quand il verra nos larmes de repentance, il nous enverra à nouveau ses bienfaits. C'est aussi simple que ça, Éphraïm. Ça ne changera donc jamais. Nous continuerons à pécher et à attendre que Dieu nous accorde son pardon. Qui peut connaître les desseins de Dieu ? Qui peut dire ce que sera demain ? Qui peut prétendre savoir ce que va devenir le monde dans l'avenir, Éphraïm ? Mais j'ai besoin de réponses. Mon esprit réclame des explications sur la manière dont fonctionne notre monde. Je te l'ai déjà dit, c'est un péché d'orgueil, mon fils. Personne ne peut se permettre de s'immiscer dans l'esprit de Dieu. Pour moi, cette réponse n'est pas satisfaisante. Hein ? Me permettez-vous d'entrer ? Bien sûr, frère. Viens te joindre à nous. Comment nous as-tu trouvés ? Je vous ai suivi depuis la ville. Si tu as faim, tu peux t'asseoir avec nous et manger, mon frère. Merci, mes frères, mais est-ce que vous ne craignez pas que les gardes du roi Hérode me trouvent ici et vous punissent ? Dieu dit « Ouvre ton cœur à ton pauvre frère ». C'est ce que nous commande la loi donnée par notre Seigneur Dieu. J'ai toujours payé ma dîme au temple et respecté consciencieusement les lois de la Torah. J'ai, comme mes frères, toujours voulu être un bon Israélien. Mais personne ne peut m'obliger à obéir à ces étrangers romains qui adorent de faux dieux. Et puis d'ailleurs, de quel droit viennent-ils ici nous dire à nous, le peuple élu de Dieu, ce que nous devons faire ? Alors, mon frère, que nous conseilles-tu ? Nous devons nous battre, même si ça nous conduit au tribunal. Et à la décapitation, voilà ce que je veux faire et voilà ce que tout le monde devrait faire pour témoigner de la vérité et ne plus nous laisser insulter par l'arrogance de cette bande de païens. Quand le temps sera venu, les morts se relèveront glorieux dans la vallée de Josaphat. Et nous aussi, ce jour-là, nous nous relèverons. Nous ignorons juste quand cela arrivera. Maintenant, cher frère, où vas-tu donc te cacher ? Je l'ignore. Je m'en remets à la volonté de Dieu. Ce soir, tu dormiras ici et demain, tu trouveras quelqu'un qui te tendra la main. L'eau de ce bain est bénite. Que celui qui a péché soit purifié et retrouve sans tarder le chemin de Dieu. Béni soit le Tout-Puissant. Béni soit son nom. Lave les péchés de Jérusalem, ô Seigneur. Pitié, aie pitié de nous, ô Seigneur. Que les péchés de Jérusalem soient lavés par cette eau. Après 3 ans, il est temps que tu retournes à Babylone. J'ai préparé une lettre pour ton rabbin. Maître, ce que vous m'avez appris durant ces années n'a pas de prix à mes yeux. Tu as été un bon élève, Dieu te bénisse. J'aimerais encore vous poser une question, si vous le permettez. Je t'écoute, mon fils. Quand le jour du salut viendra-t-il enfin pour notre peuple ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, cher maître ? Notre peuple a entrepris un voyage et la route est longue. Tu connais parfaitement les manuscrits. Tu es un bon étudiant.
Et ce que tu as appris te permet maintenant de comprendre que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est comme si nous étions perdus dans le désert, vaincus par des ennemis qui nous auraient réduits en esclavage. Est-ce que vous ne croyez pas que nous risquons de périr dévorés par les vautours et qu'il ne restera plus de nous que des os oubliés au soleil? Non, rassure-toi, mon cher Ephraïm, cela n'arrivera jamais parce que nous portons en nous le pain du monde et sa mémoire dans ses rouleaux. Le voyage est long et difficile, mais la parole de Dieu nous guide vers notre destin. J'ai mis du pain, des dattes, des olives, des figues et du fromage dans ton sac. Cela devrait te suffire. Durant ces 3 années, tu as été un père pour moi. Je te remercie. Derrière toute chose, il y a la volonté du Seigneur. S'il te plaît, Siméon, donne-moi ta bénédiction. J'ai recopié pour toi, d'après un rouleau, les paroles que Yahvé a dictées au prophète Malachie, quand tu seras sur la route de Babylone. Prends le temps de les lire, elles apporteront une réponse à ton âme. Je pense qu'elles éclaireront ton esprit et qu'elles te rapprocheront encore davantage de Dieu, mon très cher Ephraïm. Merci, Siméon. Que Yahvé te bénisse, mon fils. Le voyage du peuple de Dieu se poursuit selon sa volonté de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre et à nouveau vers la lumière. Conformez-vous toujours à la loi que j'ai dictée à Moïse, mon serviteur, sur le mont Horeb, pour tous les enfants d'Israël. Ainsi parla le Seigneur à son peuple qui marchait sans relâche dans le temps qu'il avait créé.